vraiment le moment de le faire, tu vois. Je pense que c'est un sujet qui est hyper connu, que tout le monde connaît, mais il y a tellement de choses à dire dessus. Tu sais, c'est vachement génial. Qu'est-ce que tu fais, Link? Link, c'est pas l'heure du piano, là? Ouais. Allez, bon, piano. Link, c'est l'heure d'aller au piano. Vous ne savez rien des toiles japonaises. Quand tu viens au Japon, si tu viens en touriste, tu ne fais qu'effleurer le sujet. Ouais, tu dis, oh, il y a la banquette qui est chaude. Oh mon dieu, il y a un jet d'eau. Citez-moi deux autres trucs en plus. Vous ne dites rien, voilà, forcément. Alors que on peut faire une liste. Il y a des options, il y a des fonctionnalités. Plus que dans une bagnole. Vraiment, les toilettes japonaises, c'est le fleuron de la technologie japonaise. Ils sont très fiers d'ailleurs, ils sont très fiers. Hein. Mais moi je suis fier, et je suis pas japonais. Hein. Parce qu'on sait pas qu'en fait, les japonais, c'est très avancé technologiquement, mais dans le domaine des toilettes. C'est vrai. D'ailleurs, anecdote, quand j'ai fait construire cette maison, ce que j'ai mis le plus de temps à choisir, tu vois, c'est pas les murs, c'est pas la toiture, c'est pas les prises, non. C'est des toilettes, c'est jamais parfait quand tu fais construire une maison. Il y a plein de trucs que j'ai laissé passer, mais les toilettes... Tu vois la fenêtre là? Je peux pas l'ouvrir, ça bute contre les escalettes dehors, c'est de la merde. J'ai rien dit. Regarde la porte là. Elle bute contre le panneau de fusible, je peux pas l'ouvrir en entier. J'ai rien dit. Mais il m'avait mis des toilettes, il y avait même pas la lumière au fond et elle s'ouvrait pas toute seule. Là j'ai gueulé. Quand ils ont posé les toilettes, ils se sont trompés de modèle. J'étais vert. Je te jure, il a gueulé, mais comme jamais. Ma femme a gueulé. Ouais, voilà, ça me parle, sa femme a gueulé. Et on a une autre toilette. Le mec rigole pas. En tant que mi-japonais et français habitant au Japon, on peut pas se permettre de laisser ce sujet inexploité à ce point-là. Il y a trop de choses à dire qui ne sont pas dites en fait. Personne ne sait vraiment enfoncer dans la vraie. On peut aller profond, on peut aller profond. Tu vois, personne n'y allait. On va vous montrer que vous ne savez rien des toilettes japonaises. Est-ce que t'es sûr de tout connaître? Moi je connais tout, parce que franchement, même, je me suis documenté. Genre, t'as fait une Tout Du coup, je te donne 3 minutes pour trouver le secret. LE secret des toilettes japonaises. Un truc que je connaîtrais pas. Ah, je suis sûr que tu connais pas, je suis sûr. Ok, je suis chaud, mais je vais pas y aller moi-même, je vais envoyer un spécialiste. Allô, tu m'entends? T'es en place? Ouais, c'est bon, je suis en position là. Je passe à l'exécution. Détecteur de mouvement. Alors je serais tenté de dire que la première option cachée, c'est une option que tout le monde voit mais dont personne ne fait attention. Il y a l'heure dans les toilettes. Ou alors c'est une autre option dont personne ne connaît l'existence. Est-ce que vous entendez ce petit bourdonnement? C'est ça. C'est la technologie Plasma Cluster qui tue les bactéries des toilettes. Ça, personne ne fait attention. Mais ça y est sur les toilettes japonaises. Non, toujours pas ça, tu peux toujours chercher. Bon, on est d'accord que c'est pas le siège chauffant, c'est super connu. Peut-être la fonction qui permet de régler la chaleur du siège. Ou la fonction bidet, non, ça peut pas être ça, c'est trop simple. Vous faites quoi les gars là? Bah on travaille. Ok, je sais, il y a une autre fonction que personne ne connaît. C'est celle-là, regarde. Il y a un deuxième panneau. Quand on veut faire le ménage des toilettes, et ça personne s'en sert, personne ne le sait. Regarde bien. La fonction pour nettoyer en dessous de la cuvette, c'est pas ça le secret, non? Non, non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Le bouton pour se sécher les fesses, ça peut pas être ça. La lumière en bas des toilettes pour pas qu'on allume la lumière la nuit, ça peut pas être un secret. Putain, j'ai fait le tour de tout, hein. La fonction massage du jet d'eau, peut-être c'est ça? Non, c'est pas ça, c'est pas un secret non plus. À mon avis, c'est pas les toilettes qui aident à se relever tout seul, ni les toilettes qui préviennent les secours en cas de problème. Je pense pas qu'il y a un rapport avec les applis smartphone. La fonction allume-cigare, c'est connu. Bon les gars, j'ai fait le tour, j'abandonne. Tu vois, je t'avais dit quand même qu'il y avait plein de trucs à dire. Je suis d'accord, il y avait pas mal de trucs à dire, mais t'as toujours pas trouvé le secret. Est-ce qu'il y a un secret déjà? Si, il y a un secret. Tu sais, t'as une musique quand tu, voilà, tu veux pas qu'on t'entende. Ouais, le message est voilà. Public, on est d'accord. Peut-être, mais je m'en fous. Et dans cette musique, en fait, il y a de manière totalement subtile, en fait, le nom de la marque des toilettes qui est glissé dans la musique. C'est une musique subliminale. C'est ça, une musique subliminale pour t'aider à... Voilà. Et dans laquelle ils te font la promo de la marque des toilettes. Des toilettes. Sur lesquelles t'es déjà assis. Ouais. Ok, j'avoue, je connaissais pas. J'ai quand même un gros doute, hein. Tu l'as lu où ton info, sérieux? Une source totalement sûre. Ma maman.